Ouais, bonjour à tous, on se retrouve avec mon petit chouchou du moment, on va dire. Mon petit MJX. Alors on va pouvoir le tester un peu dans le vent. Alors je vais essayer de. Alors, il y a du vent et je viens de faire voler alors le SK X350 et je peux vous certifier que le MJX il est beaucoup plus stable et beaucoup plus agréable à piloter quoi. Bon alors après toujours pareil hein, celui-là j'ai déjà fait voler quelques fois, le X350 je venais de le sortir, mais honnêtement il n'y a pas photo quoi. Alors certes le MJX est un peu moins puissant, ça c'est une certitude normal hein, il est en 2S hein, le XK est en 3S, mais par contre il est beaucoup plus agréable à faire voler quoi, beaucoup plus. J'ai un bruit bizarre par contre, je prends du nez. Petit flip en automatique, j'ai retrouvé le bouton depuis hier. On va le faire descendre parce qu'aujourd'hui avec le vent il a tendance à vouloir bien monter. Un peu moins de vent que tout à l'heure. Ah, c'est super stable. Ah, franchement, il est super agréable. Honnêtement, je regrette pas ce petit drone. Et c'est vrai que du coup, bah, le XK 350, qui est un drone beaucoup plus puissant et prévu pour d'autres utilités, bah, il me plaît beaucoup moins. Donc pour ceux qui suivent, bah, donc du coup voilà, je déclare pour l'instant hein, que j'aurais pas texté 50 non plus. Mais le MJX c'est mon chouchou quoi. Celui-là, on va lui faire une vraie caisse de transport, hein, parce que la boîte d'origine elle est chiante. Surtout qu'ils font des hélices. Et il va me suivre de partout. On va investir dans une paire de lipos supplémentaires. Parce que du coup c'est trop court. Vraiment, vraiment très très intéressant ce modèle. Après que je vois, il y a des petits modules caméra là, comme j'ai montré dans ma présentation. Donc il y a une caméra avant pour faire du FPV, il y a une caméra panoramique qui prend en dessous du drone, ça, et avec bien sûr les écrans hein, qui vont avec, mais du coup qui dit écran dit aussi masque FPV. Parce que c'est du 5,8 Go, donc je vais voir, je vais essayer de me trouver le module FPV, même si c'est pas pour l'instant une discipline qui m'attire grandement, hein. Déjà parce que j'ai pas forcément assez de temps à y consacrer, et que je pense que pour être performant en FPV, il faut avoir beaucoup de temps libre pour pouvoir voler régulièrement, hein, comme avec l'avion, comme avec l'hélico, de toute façon c'est des trucs, si on vole une fois par an, c'est pas intéressant. Je vais essayer et je vais me prendre un petit masque, je sais pas lequel, un petit Shin là, et essayer ce retour parce que j'imagine que ça peut être sympa. Alors j'étais à fond, contre le vent, et ça avance quand même quoi. Avec le vent dans le dos, c'est encore plus rapide. Je vous fais un petit coup de soleil, ça vous fait du bien. Voilà, je vais pas vous faire des vols de 25 minutes à chaque fois, hein, parce que je pense que ça va vite être lassant. Surtout que là, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de prise de vue pour ceux qui s'intéressent. C'est du vol pur, comme moi je le vois et comme moi je l'apprécie. Donc peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc à partir de maintenant, les vidéos du MJX que je ferai, je les mettrai en non répertorié. Ceux qui sont intéressés, bah, vous mettrez un petit message et quand je les diffuserai, bah, je vous les fierai. Et on va faire comme ça. Donc celle-ci sera la dernière. La dernière en public quoi. Après, enfin la dernière du MJX en public. J'en ai déjà mis deux. Ça fera trois, ça suffit à mon avis. Et ceux qui sont intéressés, bah, vous me le dites et je vous ferai parvenir les liens quand elles seront en répertorié. Voilà. Hop. Oula, oula. En fait, je voulais simplement éteindre ma caméra
pendant que je volais pour finir mon vol, mais c'est pas une bonne idée en fait. Je pense que le mieux pour ça, c'est de venir poser, d'éteindre les moteurs, toujours, de vous remercier d'avoir regardé la vidéo, de vous remercier de vous abonner à ma chaîne et de me suivre parce que ça fait toujours plaisir. Pensez à un petit like si le contenu vous a plu. Hein. Voilà, pensez à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Drone et Modélisme. On essaie de partager un maximum, on essaie de trouver des solutions, on a des bons plans, on est en partenariat avec certains sites, donc ça peut toujours être intéressant pour un niveau tarif. Voilà, sur des sites chinois bien sûr. Hein. Et je sais plus quoi dire. Et je vous dis bon vol à tous, amusez-vous bien et à bientôt.